Géraldine Garance est médium karmique depuis son enfance. Sa médiumité se traduit par des échanges avec des êtres de lumière situés sur des hauts plans de conscience, par des contacts avec des personnes décédées et par la lecture des vies antérieures et des âmes, entre autres choses. Elle travaille essentiellement sur le plan de la guérison de l'âme, du karma, de l'évolution de l'âme, afin d'apporter un mieux-être et une meilleure compréhension de tout ce que l'on vit dans notre vie actuelle et ainsi pouvoir avancer concrètement. Elle canalise également en médiumité de hauts maîtres spirituels qui délivre des messages universels pour la planète et pour l'humanité. La relation flamme jumelle fait partie intégrante de l'évolution de l'âme. Cela prend source dans des vies antérieures et ce parcours de flamme jumelle offre la possibilité de se libérer d'un karma et de guérir profondément de nos blessures. Géraldine Garance a rencontré sa flamme jumelle il y a plusieurs années et elle est passée par tout le processus évolutif et initiatique difficile que vivent toutes les flammes jumelles. Aussi, conformément à ses missions de vie et d'âme, elle aide aujourd'hui les personnes qui sont sur leur propre parcours de flamme jumelle. Elle dispense des enseignements, des conseils et des tirages de cartes sur sa chaîne vidéo YouTube et sur sa page d'enseignement Facebook. Elle propose également des séminaires spécifiques pour les flammes jumelles, désireuse d'avoir des clés pour avancer sur ce chemin particulier et des consultations médiumiques pour des guidances générales d'âme ou plus spécifiques pour les flammes jumelles. Elle est l'auteure du livre « Vivre sa médiumité au quotidien » qui retrace d'une part les expériences médiumiques incroyables qu'elle a vécues et qui offre d'autre part, retranscrit en canalisation médiumique, les enseignements universels, considérables et concrets des êtres de lumière que chacun peut s'approprier sur son propre cheminement spirituel. Géraldine Garance est aussi conférencière et enseignante spirituelle lors des séminaires de spiritualité qu'elle organise en France et à l'étranger depuis des années, sur la médiumité, les contrats d'âme, les sorties astrales conscientes hors du corps, les annales akashiques, l'avancement des flammes jumelles et bien d'autres thèmes encore dans le domaine de la spiritualité. Elle propose également des voyages initiatiques et spirituels dans le monde entier afin d'amener les personnes à leur propre rencontre d'être, à se nourrir et à s'enrichir de vibrations positives et à poser des énergies spécifiques pour aider au changement vibratoire planétaire. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Géraldine Garance sur son site internet www.medium-géraldinegarance.fr. Thank you.
Pour ceux qui ont choisi le cœur en sélénite, voici la définition de la carte qui vous est proposée dans le guidebook. Roi de flamme, la carte de la réunion. La réunion arrive lorsque les deux flammes jumelles ont déjà bien avancé sur le chemin. Après la reconnexion, la séparation, la nuit noire de l'âme, la reprise de contact, la réconciliation, vient la réunion avant qu'il n'y ait la fusion. Cette carte indique ce vers quoi vous tendez. C'est une carte très encourageante qui vous demande de continuer à travailler sur vous, tandis que votre autre travaille également de son côté. Tout s'accélère. Préparez-vous afin d'être prêt à cette réunion. Un bon nombre d'étapes sont franchies, vous avez déjà bien avancé et même s'il reste encore à faire, le parcours est bien entamé. Vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous allez à présent pouvoir cheminer ensemble main dans la main. À ce stade, vous savez l'un et l'autre combien vous vous aimez et combien vous êtes importants l'un pour l'autre. Par cette réunion, vous allez devenir invincible. Pour ceux qui ont choisi le cœur en calcite bleue, la carte est le 9 de matière, surveillance. Même si vous n'avez plus de contact actuellement ou que les contacts sont épisodiques, votre moitié se tient néanmoins au courant de vos faits et gestes par le biais de vos amis communs et des réseaux sociaux notamment. Il est à noter que vous faites certainement de même. Se tenir au courant avec parcimonie peut être rassurant, mais espionner de façon maladive vous dessert et dessert votre relation. Cela cristallise une angoisse et des suppositions qui ne devraient pas être. Cela ne fait que retarder à nouveau les contacts entre vous, car cela vous empêche d'avancer de votre côté pour revenir ensuite l'un vers l'autre. Vous êtes décentré sur la vie de votre autre au lieu de vivre votre propre vie. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Posez des énergies positives sur votre relation. Dans les phases de séparation ou d'éloignement, chacun vit ce qu'il a à vivre pour évoluer ensuite vers une réconciliation.